Voilà. Le t-shirt GameCube, il est enfilé et c'était pas pour rien parce que aujourd'hui, oui, alors la luminosité est toujours moyenne, je reçois mes lumières mercredi, voilà, je voulais vous le dire, mais j'étais trop impatient pour ouvrir ce colis. C'est un abonné qui me l'a trouvé sur le bon coin, je lui ai payé bien entendu. Vraiment, là, on est sur quelque chose, je vous le dis, que je n'avais jamais vu auparavant. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit à l'intérieur d'une GameCube, et oui, elle est ici. Et sachez une chose, la version qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il y a finalement personne qui a pu me dire hein, ou m'expliquer eh bien, de quoi il s'agissait. L'un des abonnés a envoyé un mail à Nintendo France qui n'a même pas pu répondre et confirmer la chose. Donc, c'est vous dire, on a là un objet franchement très rare, je pense. Voilà, en tout cas. Alors non, à l'intérieur de ce colis, il n'y a pas la GameCube Panasonic Q. Non, ce n'est pas elle, la seule qui peut lire les DVD, mais j'espère l'avoir un jour pour vous la présenter. Ça, c'est un de mes rêves, un de mes objectifs. Ce n'est pas non plus un pack, hein, vous pouvez en attester de la taille, eh bien, qui est très rare, style le pack Need for Speed et compagnie. C'est la console en elle-même et sa version qui est quasi introuvable. Allez, on va l'ouvrir, hein, ça fait 3 jours qu'elle est dans mon salon et je trépigne d'impatience, j'en peux plus. Donc on va voir ça. Je remercie par avance Dimitri hein, qui me l'a trouvé donc sur le bon coin. Vous allez voir, ça c'est super bien emballé. Putain Dimitri, tu t'es gavé, je tiens à le préciser. On ouvre le beau bébé, super bien emballé. Alors, je suis désolé si on voit pas ma tête, hein, mais c'est pas grave, c'est pas le principal ici. On a à l'intérieur, bon, une manette, hein, parce qu'il m'a tout envoyé en fait, hein, la personne le vendait en lot, une manette qui est complètement défoncée, Under Control, vous voyez, une marque annexe, voilà, elle est complètement morte, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici. Il y avait même un jeu à l'intérieur où je me suis assis, le Prince of Persia Warrior Within. En fait, je sais pas si le jeu est pas dans la console directement, parce que bon, voilà, il y a la boîte avec la notice, au pire, je vous la ferai gagner aussi, hein, pour ceux qui la veulent, ne sait-on jamais. Et voilà l'objet qui va le plus nous intéresser. Et alors là, c'est vraiment particulier, vous allez voir. Je la sors, le bébé est là. Tada ! Ah, vous allez me dire, mais Conker, c'est quoi le délire là ? De quoi tu nous parles ? Cette console est tout à fait normale, une Jet Black. Titre putaclic ! Ben non, regardez, la réponse se trouve en dessous. Et c'est cette chose qui fait que cette GameCube est assez unique, je dirais. Il y a eu très peu d'exemplaires. Regardez bien. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Il y a écrit IBM et j'espère qu'on voit bien parce que c'est la première fois avec l'iPhone X que je vous fais une vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu sur votre GameCube? Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a le petit logo d'IBM inscrit ici? Vous allez me le dire dans les commentaires, mais je ne pense absolument pas. Non mais attends, c'est juste un logo Axel, on s'en tape. Eh bien non, cette console, la dernière fois que j'ai vu une news à propos de celle-ci, c'était il y a 5 ans sur le forum Gameopath. Quelqu'un demandait une estimation de cette console avec le logo qu'elle avait trouvé et personne n'avait pu lui donner une réponse précise. On en a d'ailleurs toujours aucune officiellement, mais je pense, après quelques recherches, avoir déterminé un petit peu la cause. Et pour ça, un bref rappel d'histoire sur cette GameCube. D'ailleurs, je regarde s'il y a le jeu Prince of Persia. Non, il n'était pas à l'intérieur, donc je vous fais gagner la boîte au passage. Et alors, la toute première fois, et c'est dans la même semaine qu'on m'a parlé deux fois de cette console, alors que je n'avais jamais entendu parler de son existence depuis que j'ai commencé mon full set GameCube, c'est vous dire, hein, c'est un truc de fou, je connais, je pense, tous les packs de consoles qui sont sortis. Vous avez d'ailleurs l'excellent site hein, consolevariation.com qui recense toutes les GameCube qui sont sorties dans le monde, en tout cas toutes les versions possibles et inimaginables, mais celle-ci n'y est pas. Chose assez incroyable, la Jet Black avec le logo IBM, impossible de trouver quelque chose. Alors j'ai cherché, jusqu'à deux liens qui m'ont véritablement éclairé. Et pour mieux comprendre la chose, il y a deux constructeurs très importants qui ont bossé avec Nintendo sur cette GameCube. Le premier, c'est ATI. Et regardez sur toutes les consoles que vous allez pouvoir voir, vous allez avoir le petit logo ATI ici même, et ça, c'est un logo qui sera sur toutes vos GameCube. Le processeur graphique s'appellera le Flipper, Flipper en référence certainement au dauphin Project Dolphin, hein. Vous voyez de quoi je parle. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur les 5 secrets de la GameCube, vous comprendrez, n'hésitez pas à y passer d'ailleurs. Donc vous avez le logo Graphics by ATI sur toutes les GameCube qui sont sorties, hein, dans toutes les versions et tous les modèles. Et on a alors IBM, que vous voyez ici, qui a bossé lui sur le processeur hein, général de celle-ci, prénommé Gecko. Gecko en référence au fameux lézard, hein, que nous connaissons quasiment tous.
Je l'espère. Donc sa fréquence était 485 MHz et la base de noyau était un Power 750 CXE. Nintendo, il faut savoir qu'ils ont conclu un partenariat de près d'$1 milliard avec IBM pour que ceux-ci fabriquent la console et se relancent en tout cas sur le marché. Et oui, IBM avait envie de devenir très important sur le secteur, ils n'ont pas lésiné sur les moyens et pensaient que Nintendo était vraiment l'entreprise idéale avec sa petite GameCube, que j'adore. Donc j'ai pris une GameCube en version originale, hein, Indigo, pour la comparer à cette GameCube Jet Black version IBM qui est vraiment vraiment unique, il faut le dire. Enfin, quand je dis unique, c'est qu'il y en a très très peu d'exemplaires, je pense. Je vous jure, j'ai cherché partout, c'est assez incroyable. Si vous avez des infos même, n'hésitez absolument pas. Et regardez, le logo ATI y est, mais le logo IBM est complètement absent. À l'arrière de la console, on peut remarquer qu'il s'agit d'une DOL 001R, donc elle était vraiment destinée à l'Europe celle-ci, et c'est ce qui est très intéressant mais également assez intrigant parce qu'on sait qu'IBM est une société américaine. Comment se fait-il qu'il y ait cette console? Je précise, c'est sérigraphié, ça n'est pas fait par quelqu'un à la main ou quoi que ce soit, ça n'est pas un autocollant, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose derrière, ça c'est certain. Et sur la console originale qui est sortie du coup, eh bien le logo IBM ne sera pas sur celle-ci, mais sur la boîte de la console, comme vous pouvez le constater. Donc, mystère, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on en vient au lien qui pourrait être attribué à cette console. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'elle a été retardée au Japon et aux États-Unis d'un petit mois, hein, voilà. Notamment au States où elle était prévue en octobre 2001, où elle sortira finalement que le 18 novembre 2001. Video game war is heating up tonight. Nintendo's GameCube system is about to hit the stores. It's any video game fanatic's dream, a club where the music is blaring, lights are glaring, but instead of dancing, these club goers are getting down with a sneak peek of Nintendo's latest invention, GameCube. To Wave Race, which lets players get a little wet and wild. Ce qui nous laisse quand même un certain laps de temps. Peut-être est-ce lié à ce retard, il y avait une première version de console que finalement Nintendo n'a pas voulu commercialiser et qui restait dans les locaux, je ne sais absolument pas, je peux pas vous le dire, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Et quand je tombe alors sur un article américain de ZDNet, eh bien il est effectivement précisé qu'un logo IBM devait être présent bel et bien sur la console. En effet, ils expliquent que chaque console arbora un logo faisant la promotion d'IBM, une première pour le géant de l'informatique qui tente d'accroître sa notoriété en tant que fournisseur de composants technologiques. Donc au départ, ils ont essayé de faire la promotion non pas sur la boîte, mais bel et bien sur cette console en édition Jet Black. Donc entre le moment de la sortie prévue à la base et celle qui a été retardée, est-ce qu'il y a eu un changement? Je ne sais pas. La deuxième des choses, hein, qui me fait dire que cette console pourrait être unique, peut-être une deuxième raison, c'est qu'elle est simplement spécifique aux locaux d'IBM. C'est-à-dire que ce sont par exemple que les employés qui ont eu droit à celle-ci, comme une sorte de cadeau de la part de Nintendo. Vous savez qu'ils l'ont fait notamment avec les montres Nintendo 64 par exemple, et j'en passe. C'est vrai que les employés qui bossent avec eux ont parfois droit à des petits cadeaux de la sorte. Alors, est-ce qu'elle vient directement de l'entreprise IBM en son sein? C'est fortement probable. Alors, j'invite vraiment toute personne qui a des informations à me le dire en commentaire, je vous le jure. J'ai cherché des nuits durant. Depuis que j'ai eu l'information la semaine dernière, je n'ai strictement pas arrêté pour vous préparer justement cette vidéo. Et ça a été extrêmement compliqué. Je n'en ai pas vu en vente, par exemple, sur les divers sites. La seule et unique que j'ai vue, c'est une estimation Gameopath. Je vous jure, j'ai cherché de partout. Donc voilà, qui sait, peut-être quelqu'un dans ses commentaires a la réponse céleste. Mais c'est génial d'avoir un exemplaire comme ça de cette GameCube qui est vraiment, vraiment très rare et spéciale. Ça, j'en suis certain, par contre. Et simplement grâce à ce petit logo qui est ici. Comme quoi, des fois, ça peut tout changer. C'est assez dingue. Dans tous les cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous parler de la GameCube. Vous savez que c'est ma console préférée, avec bien entendu le full set GameCube dont vous êtes si nombreux à me parler chaque jour. Merci à Dimitri qui m'a trouvé cette console, à qui j'ai pu l'acheter et que je vais arborer fièrement dans ma collection. J'en suis vraiment ravi. Merci également à Sam qui m'en a parlé. Donc à 2 jours d'intervalle, hein, les 2 abonnés m'en ont parlé. Je l'avais jamais vu à l'époque. Incroyable. Et merci à vous, chers abonnés, bien entendu, d'être toujours présents sur la chaîne pour kiffer avec moi. C'est un putain de kiff de vous parler de la GameCube. Je vous jure, c'est incroyable. J'espère que vous appréciez comme ça les vidéos où je vous présente des consoles qui sont pas forcément communes, où on revient sur l'actualité de l'époque, hein, l'histoire un peu de celle-ci. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous fait kiffer, ça ferait super plaisir. Mettre le petit pouce pour un soutien, ça serait juste génial. Vous savez que vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Conquerax, c'est hyper simple, Snapchat, Facebook, Insta, Twitter, on est partout bien entendu. Et également me rejoindre sur la chaîne YouTube, ça serait énorme pour moi. Vous êtes plus de 101 000 déjà, on approche des 102 000, pff, ça va à une vitesse folle. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas qu'on va se retrouver à la Paris Games Week dans 2 semaines. J'espère vous voir, j'ai vraiment trop hâte. Je vous fais une grosse bise avec cette GameCube spéciale IBM. C'était Conquerax au rapport. Et on se dit à la prochaine. Je vais aller la brancher, je vais me faire une partie. Ciao.